m'en viens la caille moi. M'en viens la caille moi. Wow, 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 wow. Ma pour aller la caille moi. Chers auditeurs, nous ne mettons pas les Français, c'est entendu, mais généralement, que l'entrecoupé ou que totalement créole, l'ol plus bon encore, pour tout le monde capable d'endéo, la plus à l'aise, et nous-mêmes tout, nous habitués à donner, et nous connaissons qui c'est le gagnant, nous les capables, Riden, bien présenter ça, n'a pas dire. Eh bien, chers auditeurs, demain, et c'est un grand jour pour Daniel Fignolet, pour parti que le dirigeait à un grand parti, pour Zamini, collaborateur, compatriote, tout qui d'une façon ou d'une autre, et sous une forme, il y a eu bon coup de main durant plus de 28 ans. Ingratitude là, m'a fini de m'aimer, parce que c'est ça, m'a fini de nous lutter, il y a eu idée de lutter tout. Nous, qu'un B, c'est que 28 ans et plus là, c'est preuve que nous lutter, et c'est preuve aussi que il y a eu idée de nous qu'un B. Par conséquent, comme nous te dit en français tout à l'heure, hein, nous répétons en créole, nous devons gratitude, nous devons reconnaissance, car il a fait un pile pour nous. Maintenant, une circonstance unie, naturellement, au Takabré, une circonstance qui porte un pile joie, c'est entendu, parce que le pays noir, nous aimerions même un peu. Notre plus grand amour d'ailleurs, nous aimons. Après 28 ans d'un exil impie, comme dirait l'autre, actuellement, on va venir souffler et on est capable de regagner la terre natale, on est capable de dire que là, il n'y a pas en mai parce que ça, gouvernement, il y a un petit genre changé, et donc, les barres, tout naturellement, une impression de joie. C'est entendu. Cependant, c'est homme, nous c'est être humain. Joie que nous aimons tout certainement, mais l'éteinte d'un peu de tristesse, et parce que plus d'un quart de siècle, son vie, oui, ou m'a aimé là, avec. Vieille famille yo, qui sont en Haïti encore, qui gagne en somme, même bagaille là, qui passe dans 20 ans, qui maintenu, lien qui maintenu beaucoup de choses communes, c'est pas vrai, beaucoup de communautés d'intérêt, les créons chaille, bagaille entre nous, nous vivons qui ont 28 ans et plus, ou pas cadim, sous son être humain, ou pas ingrat, ou pas dur, et que gon bagay qui mande un changement, quel que soit les beaux côtés de ce changement, les beaux aspects de ce changement, mais quand même, gon ti bagay, ou son être humain, ou pas ka nécessairement sorti sans ou pas senti en rien. Parce que là, son séparation, tout, après 28 ans d'existence, 28 ans, nous râler et bon saison et ensemble, nous râler quelques hivers, tout ensemble, là, donc, nous râler ensemble que des responsabilités et pour résoudre, n'est-ce pas vrai, certains problèmes, chaque monde poté par eux. Donc, en somme, sont bons. Si on sont longtemps nous passé là ensemble, oui, et on pas qu'à dire que on va le virer là, après toute aide, après toute compréhension, il prouve
après, n'est-ce pas vrai, tout ça, nous t'es fini fait en commun, en somme, durant plus de 25 ans, d'un quart de siècle, ou pas qu'à dire que pour ces relations faites comme ça, pour personne ne pas s'entendre, c'est pas vrai, à moins qu'on puisse être humain. Ça veut dire que, on aime, nous t'es dans l'avion, ou pas qu'à, soit nous t'es dans l'avion, si on contrôle les géos, l'immeuble est mouillé, il pas sec, genre, il pas sec. C'est pas vrai. Ils sont êtres humains tout. Mon président de la République, ils sont êtres humains. Ils sont tout le monde. Ils ont 120 ans, ils sont tout le monde. Ils pensent, ils réfléchissent, ils sont tout le monde. Tout ça qui a passé en pile monde, dans tout le monde, ils passent la caille, ils sont tout en tant qu'être humain. Par conséquent, après 28 ans, nous sommes sortis du Mall Saint-Nicolas. C'est-à-dire que nous sommes sortis du Mall Saint-Nicolas. Nous venons à New York ce samedi 15, l'après-midi, Lonal descend à Idlewild, nous quoi c'était ancien nom Kennedy Airport, donc nous font une histoire à l'étranger tout. Eh bien, nous quoi que nous allons entrer en Haïti là, la caille, non? Haïti a moins rien, mais bon, ça fait ça, moins mais en pile. Eh bien, naturellement, émotion après bâton nom tout, ben, on connaît parce que. Et son baillot en main après 28 ans au bralé et reprendre la vie la Kaili, donc c'est normal que l'émotion qu'un petit parle là dans le tout. Ce sont des gens qui ont aimé, son peuple qui ont aimé, et ont toujours travaillé pour son bien-être, et ensuite il faut recommencer le travail encore. C'est pas vrai pour continuer pour lui. Si l'or finit d'entrer dans ce cœur là, on va suspendre le travail. Je travaille là toujours. Bien. Maintenant, une partie a été organisée à l'extérieur. À l'extérieur, il était marché. Il y a été ridé. Petit coulier, il y a ridé. Petit cochon tissant. Mais il y a été ridé. On a dit, il faut le reconnaître. Il y a permis de nous qu'il y ait 28 ans, ou pas qu'à bleuver 28 ans, virer quand on n'y a pas de fête. Et n'est-ce pas vrai pour quitter ça? Et pas vrai. Il y a ridé. Il y a fait 28 ans à coup. Il y a eu ça, il y a capable. Il faut exister. Donc, nous avons parti régulièrement, fonctionnant régulièrement à New York, principalement dans le quartier de Bushwick, à 52 Stanhope Street, Brooklyn, New York. Le parti a fonctionné, un grand parti. Il a publié un journal, naturellement formatément et petit, mais un grand journal ne se mesure pas à son format, mais plutôt à son contenu. Ça n'a rien à donner. Eh bien, lors les constructions, ou après, il y a un pile concours, l'hypothèse by Haïti, dans le sens, par exemple, de l'enseignement de l'histoire d'Haïti, et parce que nous vivons dans un milieu qui est bien pourvu, en matière de documentation sur Haïti, côté où joignent par exemple une bibliothèque comme la collection Chomba, n'est-ce pas vrai, à Harlem, ça sont cathédrales à fait. Son cathédrale à fait, et construction est particulièrement reconnaissant aux congénères de Chomba, à la bibliothèque de n'est-ce pas vrai, à la bibliothèque de New York, de la cité de New York, pour ce que Schomburg lui a permis de récolter pour l'enseignement de l'histoire d'Haïti. Ensuite, où était New York là, où partir la développer, où grand pile, où ramasser expérience, parce que un homme de toute façon envie tout ton beaucoup rentrer dans ce cœur là ou appeler ma expérience tout. Nous prenons tout. Surtout dans la douleur. C'est pas vrai, nous prenons tout. Nous prenons aussi, en d'autres circonstances, nous ramassons cette goutte d'expérience, ce que César exprime dans De Bello Civili. L'expérience est maître en toute chose. Surtout quand s'y ajoute l'intelligence. Eh bien,
là, nous, parce que nous ne sommes pas capables de vivre dans un gros côté plus d'un quart de siècle, nous ne pouvons pas prendre rien. Là encore, nous avons un gras. Si nous avons dit que nous ne pouvons pas prendre. Ce n'est pas vrai. Nous pas. Maintenant, parti après en Haïti. Il faut prouver que nous prenons qui choisit tout. Eh bien, dans ça nous prenons, nous pouvons le partager avec un peuple que nous aimons en pile, le peuple haïtien. Si son côté, à le partager la queue. Oui, mal là, oui, mal être là. On garde son côté. Et dégoûtez pas rien. Alors là, n'a pote qui choisit pour nous séparer la queue, pour nous partager à queue. Parce que généralement, en politique, où nous sommes partis en Haïti, qui est très généreux, le MOP. Le MOP partage ses richesses avec les autres Haïtiens. Et mais partage ça, nous pourrons le faire. Maintenant, il faut aller organiser parti. Son bon pied en Haïti. Une belle organisation. Pour monter une organisation de gens éclairés, de gens véritablement instruits et éclairés, dans le partage de ça nous ramasser. Et dehors, pour nous faire affaire, dans la condition ça, nous pourrons le faire fonctionner. Ce grand parti que nous connaissons depuis 1946, naturellement, l'idée de quelques petits changements là-dedans, normal, c'est dans la loi du progrès. À savoir qu'au début, nous terminons avec le mouvement ouvrier paysan. C'était une époque où le travailleur, le paysan, était... Il était méprisé, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas de considération pour eux. Nous ne pas penser gouverner pour eux. Nous ne pas penser faire au bien. L'homme en plarine sous scène politique là, en 1946, il était assez lucide pour baser action politique et sur, n'est-ce pas vrai, les éléments basiques de la nation, l'ouvrier et le paysan. Et nous avons eu courage, n'est-ce pas vrai, pencher sous caillou, sous situation, nous leur avons apporté ce qu'on peut appeler avec une pointe de satisfaction aussi, l'investiture sociale. L'homme plat a pu développer en Haïti. Naturellement, nous avons ennemi. Il y a des gens qui étaient présentés, j'en étais pipito, j'en étais pivré. Mais des étrangers instruits parce que dans certains grands pays, on enseigne le MOP. Même aux États-Unis, j'ai pris contact avec des professeurs de questions ouvrières en Amérique latine et en Haïti aussi, on enseigne l'histoire du MOP, le MOP. C'était quelque chose de très sérieux, et au pas qu'à étudier l'histoire sociale d'Haïti, n'est-ce pas vrai, des 30 dernières années, sans pour pas un chapitre MOP là-dedans. Donc, au début, et de tous les temps, le MOP a toujours été, le MOP demeure, la manifestation d'une promotion sociale à une catégorie d'hommes qui avait été méprisée, à une catégorie d'hommes que l'on a considéré en marge de ce que on appelait la société haïtienne, comme si toute société n'avait pas ces éléments basiques. Les éléments basiques de la nation haïtienne, historiquement, étaient, demeurent, l'ouvrier et le paysan. Nous avons aidé le paysan, l'ouvrier, à voir clair dans sa situation, à comprendre sa situation. Nous avons entrepris de l'instruire autant que faire se pouvait, autant que faire se peut, autant que faire se devait. Nous organiser nos plans. Ouvriers paysans. Maintenant, nous faisons mal investiture sociale, parce que dans la catégorie de monde qui pas de l'éouel, nous-mêmes nous t'évlé ouel. Nous-mêmes nous estouillons, nous connaissons ça bon. Nous disons que ça nous a fait assez vite bon.
dans une très large mesure, l'effort du paysan et de l'ouvrier et contribue à faire aller les affaires de la République. Mais si leurs efforts contribuent à faire aller une bonne part des affaires de la République, ou pas qu'à gouverner en marge, ou pas qu'à mettre en marge de la société, ils auront place dans la société. Tout. Si vous trouvez pas assez éclairé, vous placez vous éclairé. Si vous estimez que vous pas assez éclairé. Si vous estimez que vous pas assez instruit, vous te placez vous instruit. Ce sont deux voies que vous avez gagné. Dans ces conditions, les maupistes, les fondateurs du mot, agissaient bien dans les intérêts du pays, dans les intérêts de la nation haïtienne, dans les intérêts du peuple haïtien. Donc, ils pensèrent à faire de ce parti une dédicace à ces éléments basiques. Comme pour leur dire, mais nous avons entrepris de contribuer à la présentation d'une société dont nous voulons que vous soyez membre, que vous soyez parti à part entière, comme tout autre citoyen haïtien. Dans l'ordre social, l'apport du mot a donc été certainement considérable. Très certainement, dans tout pays du monde, il y a trois grands faits. Chez les peuples, dans leur évolution, dans leur existence, le fait économique, le fait politique et le fait social. Et donc, socialement, ils te font grande avance. Mais le social a aussi ses projections sur le plan politique. Donc, affaire syndicat, son fait social, une manifestation de fait social, c'est entendu, mais il y a une implication, il y a une projection politique. Donc, et nous en sommes arrivés à la fondation et au fonctionnement d'un grand parti politique. Maintenant, vieux préjugés, vieux esprits, mon arriéré, n'est-ce pas vrai? Depuis mon n'a pas trois costumes, il n'y a pas ouvert encore, vous voyez bien? Mais tout préjugé ça, il nous bousculait. Hein? Oui, tout préjugé ça, nous bousculait. Hein? L'homme qui nous bousculait, hein? Donc, Mop là, les ton réalité sociale, les réalités politiques, au cap pas très mal, mais on est obligé de reconnaître l'existence. Le Mop s'imposait, le Mop s'est imposé. Donc, il est venu au stade à un certain moment, l'olfin by élément basique, l'investiture sociale, il faut tenir compte de la constitution, de la marche, dans les manifestations de votre société, l'olfin reconnaître lui. Les investitures sociales, les bords des syndicats organisés, les bords du parti organisés, à ce moment-là, ils passaient en stade politique, à proprement parler, de démarche politique et d'aspiration au pouvoir. C'est droit, les gens doivent aspirer au pouvoir. Oh, c'est droit, les gens doivent aspirer au pouvoir. Pouvoir là pas fait et pour, n'est-ce pas, une catégorie de citoyens seulement. Avec l'éducation, n'est-ce pas vrai, reconnaissant la nécessité de telles choses, éducation qui permet une certaine forme d'adaptation pour monter au progrès avec lui. Donc, il vient imposer la nécessité d'un grand parti politique. Au terrain d'abord, le mouvement ouvrier paysan, mais l'on a fait processus de développement social, lui. Nous disons que les films prennent conscience, ils ont demandé salaire, parce que dans tous les pays du monde, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de médecine sans bon salaire. Donc, il faut avoir un bon salaire dans toute société. Il faut le marcher propre, il faut le manger bien, il faut le nourrir bien, selon les règles de l'hygiène. Bon, maintenant, revendication syndicale, les qu'aiment ça, les ballons poussés, les ballons poussés, les favoriser une certaine montée, et, n'est-ce pas vrai, un certain processus dans l'ordre social. Alors, comme on dit que, n'est-ce pas vrai, chez tous les peuples, ils ont régi par trois grands faits, le fait économique, le fait politique et le fait social, puisque le fond avance dans l'ordre social, nécessairement avance dans l'ordre social là, il y a conséquences dans l'ordre politique, donc il y a une force politique.
là-bas candidat à la députation, là-bas candidat au Sénat de la République, là-bas candidature à la présidence de la République. Il prend l'imposé au partage, n'est-ce pas vrai, des possibilités démocratiques du peuple haïtien. Il y a une base sociale, n'est-ce pas vrai, du plan d'investiture sociale, c'est conquête. Lorsqu'on fait conquête, on doit s'y avancer dans le champ politique. Dans le champ politique, l'avancer tout. Il fait des élections pour retirer la main, mais que visiblement, c'est pas tout là-bas. Alors, ça passe comme ça. Ça passe, j'en ai connu, hein, mais le pas tout l'exister. Parce que lui perd une bataille, lui perd une bataille, mais le parti ne fait de la guerre. La guerre continue. Alors, l'homme dit la guerre, là, m'a pas parler en termes de tout le monde, de l'assassiner le monde, non. Elle a dit, et par image, n'est-ce pas vrai, et par comparaison. Donc, il y a quelques victoires sur le plan social, que ce fût à la HASCO, que ce fût, n'est-ce pas vrai, au syndicat, n'est-ce pas vrai, des chemisières, que ce fût, n'est-ce pas vrai, au syndicat de l'usine Bata, n'est-ce pas vrai, dans certains cas de syndicats paysans et de syndicats ouvriers. Donc, il était fini imposé. On ne peut pas nier, puisque on la lumière du soleil, on ne peut pas dire nous paroles, mais le soleil est là, non, géo. Donc, on ne peut pas même en place. C'est entendu, mais le ton force. Parce que si on ne peut pas reconnaître, c'est peut-être qu'on a menti. Bien. Maintenant, l'Olfin prend l'investiture sociale, lui, rentre dans la politique. Alors là, c'est une conséquence, n'est-ce pas vrai? C'est une projection d'une situation, des effets d'une situation sociale et sur le plan politique. Bien. L'Olfin politique, il y a, nous venons au stade. Et s'il a fait politique, il est censé avoir des plans de transformation du pays, il est censé avoir des plans d'organisation, d'où le beau mot. D'abord, l'ordre mot pour le journal, toute expression, tout nom, les suggérer, tout nom suggestif. L'ordre mot journal, l'ordre mot parti, les suggérer au Kishoy. L'ordre dit, par exemple, le Parti démocrate haïtien, mouvement d'organisation du pays. Nous finissons passer nos stades où nous avons remporté des victoires. Nous avons reçu grâce aux morts ce qu'on appelle l'investiture sociale. C'est-à-dire que nous sommes hommes, que paysans, ils sont hommes, ils comptaient. Leur parler dans le pays, il faut compter que l'exister. C'est les bons manger. C'est les cultivateurs ou pas cultivateurs. Ou manger, et c'est les plantés, les plantés, etc. Donc, ils sont éléments forts comptés sur lui. Ils sont forces économiques, quelle que soit sa forme de production. Ouah, en 2000, c'est entendu. Ouah, n'est-ce pas vrai? Ouah, quel progrès, c'est entendu. Ouah, améliorer, c'est entendu. Ouah, changer, c'est entendu. Mais, n'est-ce pas vrai? Investiture sociale, le film ball, il passe au stade. Ils font promotion. Ils disent maintenant, nous voulons la Chambre, maintenant nous voulons au Sénat, maintenant nous voulons au ministère, maintenant nous voulons la présidence, maintenant nous voulons un grand parti, maintenant nous voulons un programme politique et nous ne voulons pas que pour faire programme sans pas compter à nous. Maintenant, programme politique là, programme social, programme que ce sont, n'est-ce pas vrai, des champs de développement. Ce sont des champs de développement, ce sont des champs d'organisation. Alors il dit oui. Et nous pas jamais renoncer à santé. Nous pas jamais, n'est-ce pas vrai, oublier santé. N'est-ce pas vrai? On ne s'affirme pas en se réunissant. Nous ne nous sommes jamais réunis comme paysans, comme ouvriers. Mais cependant, notamment les ouvriers, nous tous en politique, comme pour l'autre monde. Donc nous faisons partie politique. Nous entraînons en politique, nous faisons politique, et pour nous capables de participer à l'organisation du pays. Pour ne pas mettre nos petits côtés oubliés, nous actifs, nous présents. Donc, on est capable d'interpréter la nouvelle dénomination de mouvement d'organisation du pays comme une étape d'évolution. M'en viens la caille, moi. M'en viens la caille, moi. Wow, 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 wow. M'en prends la caille, moi.